présidentielle. La CENI en quête de 10 milliards d'arriages. Le président de la CENI, Damarsen Djenarsé, doit aborder le budget des élections présidentielles dans son intervention d'hier à l'Arbi. Selon ses explications, la CENI est toujours en quête de 10 milliards d'arrières malgré les 10 milliards déjà ajoutés aux 45 milliards inscrits dans la loi des finances. Le Basket Fund, développé par le Programme des Nations Unies pour le Développement, est parvenu à 12 milliards d'arrières avec la contribution de la France, de l'Union européenne et des États-Unis. Le numéro 1 de la CENI a toutefois rassuré les candidats en précisant que des pays partenaires de Madagascar, à l'instar du Japon et de l'Inde, avaient pris le soin de doter l'institution d'équipements indispensables aux élections. Enfin, le président de la CENI a mis l'accent sur l'apaisement et la sérénité tout au long de ce processus électoral. Pour rappel, la CENI a effectué hier le tirage au sort des numéros d'ordre des 13 candidats sur le bulletin unique de vote. Le président candidat André Duel n'apportera le numéro 3 sur le bulletin de vote et son numéro initial, le 13, a été tiré par le député Steny Rengenasulniek. Les anciens présidents Eradonar Mapian et Marc Ravalmanan portent respectivement le numéro 10 et 5.